Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir. J'ai presque envie de dire trop nombreux, même si nous sommes très heureux de vous accueillir et pardon pour ceux qui du coup restent debout courageusement au bout de la salle. Je suis Thibaut Isabel, rédacteur en chef de la revue Crisis et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Alain de Benoît qui est directeur de la rédaction de Crisis et bien sûr éditorialiste de la revue Élément. Alain de Benoît a écrit plus d'une centaine de livres qui ont été traduits dans une quinzaine de langues, et notamment en Italie, où il compte parmi les figures étrangères les plus influentes du pays. Nous sommes ici grâce au soutien d'Éléments et de Crisis, donc, et cet événement inaugure d'ailleurs un cycle régulier de conférences lilloises qui auront lieu environ tous les 6 mois. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous aurons l'occasion de tous nous revoir avec d'autres intervenants dès septembre de cette année. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à nos deux revues. Crisis notamment n'est pas disponible en kiosque. C'est une revue intellectuelle qui est uniquement disponible à l'abonnement et à l'achat par correspondance. Mais vous en trouverez bien sûr des exemplaires sur les stands qui ont été installés. Vous pouvez aussi vous abonner à Éléments qui paraît en kiosque tous les 2 mois. Et qui propose un large panorama de l'actualité des idées, des livres et de la culture. Nous sommes réunis ce soir pour débattre de l'identité. Alain de Benoît va prendre la parole, puis j'interviendrai brièvement à mon tour, et dans un dernier temps, nous débattrons avec chacun d'entre vous, et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voudrez. L'identité est devenue aujourd'hui une question brûlante. Comme l'ont rappelé malheureusement les sinistres attentats de l'année 2015. Mais les problèmes d'identité sont en fait partout. Nous vivons à l'ère de la mondialisation. Les flux de communication n'ont jamais été aussi intenses qu'aujourd'hui. Nous échangeons sur les réseaux sociaux avec des Américains, des Brésiliens et des Chinois. Mais dans le même temps, nous ignorons parfois jusqu'au nom de notre voisin de palier. Le monde moderne rétrécit la distance qui nous sépare du lointain, tout en nous éloignant de notre prochain, c'est-à-dire de celui qui se trouve juste à côté de chez nous. La modernité apporte des bienfaits indéniables, sans lesquels nous ne pourrions plus vivre. Nous sommes heureux de pouvoir voyager, de découvrir d'autres contrées, d'autres cultures, avec une facilité inédite dans l'histoire. Mais cette modernité porte avec elle des défis qu'il va nous falloir relever. Et l'un de ces défis, c'est celui de l'identité. La mondialisation implique inéluctablement un brouillage des repères. Le monde ancien disparaît. Tout évolue à un rythme frénétique de nos jours. Autrefois, les hommes vivaient dans le même monde de la première à la dernière heure de leur vie. Aujourd'hui, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, nous vivons une véritable révolution technologique et sociétale, comme la télévision, l'automobile, les téléphones portables, l'Internet, et bientôt, sans doute, la robotique et l'ingénierie génétique. Comment voulez-vous que, face à des changements aussi rapides, les gens ne se demandent pas qui ils sont et d'où ils viennent ? Malheureusement, lorsqu'un besoin identitaire se fait aussi pressant, il porte le risque de devenir pathologique. En soi, il est naturel de s'interroger sur son identité. Mais lorsqu'on sent cette identité fragile et instable, la quête identitaire peut devenir une obsession qui confine alors à la morbidité. Nous en ressentons les effets dans la sphère individuelle, mais aussi dans la sphère collective, où les revendications identitaires jouent un rôle majeur. Le djihad islamique se dresse ouvertement contre la corruption du monde occidental. Et même si les attentats terroristes perpétrés en France l'année dernière s'expliquent aussi par des motifs géopolitiques, ils ont une composante identitaire évidente. N'oublions pas en outre qu'il y a quelques années, George W. Bush justifiait les interventions en Afghanistan et en Irak par une lutte des forces du bien occidental contre l'axe du mal, essentiellement musulman évidemment,
jusqu'à créer les bases d'un choc des civilisations, aussi fantasmé qu'il puisse être. Or, un choc des civilisations, c'est bien un choc des identités. Les guerres civiles qui touchent actuellement la Syrie et la Libye ont une forte composante identitaire, elles aussi. Sans parler même de l'opposition entre la partie de l'Ukraine qui est tournée vers l'Europe et les régions du pays qui restent tournées vers la Russie. À une autre échelle, enfin, on pourrait évoquer aussi le conflit entre Flamands et Wallons qui divise la Belgique depuis longtemps. L'identité est partout, que ce soit l'identité ethnique, religieuse, linguistique ou culturelle. Même en France, le problème de l'identité semble de plus en plus incontournable. L'intensification des flux migratoires provoque un questionnement des peuples sur leur avenir. Et la crise des migrants ne fait que renforcer ces interrogations. Ce sont les populations d'accueil qui s'interrogent sur leur capacité à rester elles-mêmes. Mais ce sont aussi, de la même façon, les populations migrantes qui se demandent comment elles pourront préserver leurs racines dans une culture qui n'est pas la leur. L'identité est parfois porteuse de conflits, de haines, de tensions. Mais elle peut être aussi facteur de cohésion, d'entraide, de solidarité. Pour le meilleur et pour le pire, l'identité va façonner notre destin. Il est donc grand temps de lui accorder la place qu'elle mérite dans le débat. Et pour cela, je vais maintenant donner la parole à Alain de Benoît. Merci à Thibaut et Isabelle, qui a beaucoup de qualités. Et d'abord celle plutôt, d'avoir une voix qui porte. Ce que j'ai beaucoup moins ou que je n'ai plus, tout simplement. Donc j'espère que, comme il n'y a pas de micro, malheureusement, que ceux qui sont au fond vont néanmoins bien m'entendre. Alors cette question de l'identité, évidemment, c'est quelque chose dont on entend parler aujourd'hui tout le temps. Et curieusement, on n'en parlait pas tellement il y a encore une quinzaine d'années, sauf dans des milieux, disons, très particuliers, concernés précisément par des problèmes identitaires. Mais ce n'était pas un mot du discours public omniprésent comme il l'est devenu aujourd'hui. Alors, il y a évidemment différentes manières de parler de l'identité. On peut en parler sous forme de slogan. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Mon identité, notre identité, etc. Mais finalement, ça ne va pas beaucoup plus loin que des slogans. Si on veut réfléchir un peu sur la notion d'identité, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu plus compliquées. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est le texte d'une conférence que j'ai faite il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, conférence que j'avais faite en anglais, et dont j'ai ici le texte français. Ceci pour expliquer qu'une ou deux fois je fais allusion aux conservateurs américains. Vous vous demanderez peut-être pourquoi est-ce que je parle des conservateurs américains en venant parler à Lille. Donc c'est pour cette raison-là, je m'adressais à un public qui était un public, disons, conservateur américain et qui n'était pas forcément disposé à entendre tout ce que j'avais à lui dire. Alors, dans un célèbre passage de ses Confessions, saint Augustin écrit « Qu'est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Ce que saint Augustin dit du temps, on pourrait aussi le dire de l'identité. Elle ne pose pas de problème aussi longtemps que l'on n'a pas à s'interroger sur elle. Elle va de soi, elle s'impose naturellement. Mais il en va tout autrement dès l'instant que l'on se demande « Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qui est français ? Qu'est-ce que c'est qu'être italien ? Qui est allemand ? » et ainsi de suite. Or, il n'est pas facile de parler de l'identité, car contrairement à ce que s'imaginent beaucoup de gens, à commencer d'ailleurs par ceux qui la défendent, ce n'est pas une notion simple, mais au contraire, une notion
très complexe. Elle est complexe d'abord parce que l'identité, je l'ai laissé entendre à l'instant, l'identité ne se pose précisément comme problème qu'au moment où elle ne va plus de soi. En ce sens, on pourrait dire que c'est une question typiquement moderne. Dans les sociétés traditionnelles, en effet, nul ne s'interroge sur son identité tant celle-ci semble aller d'elle-même, tant elle relève de l'évidence. D'où ce premier constat. C'est seulement lorsque l'identité individuelle ou collective est menacée ou qu'elle a déjà disparu qu'on s'interroge à son sujet. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Et c'est bien pourquoi l'identité est devenue une question brûlante politiquement et idéologiquement. L'identité devient problématique à l'époque moderne et postmoderne parce que les repères tendent à s'effacer, parce que l'on ne sait plus ce qui fait sens dans l'existence. Mais si les identités sont devenues problématiques à l'époque moderne, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que la modernité a été porteuse d'une évolution qui a progressivement désagrégé les identités. Cette évolution est avant tout liée à la montée d'un individualisme dont les racines remontent pour le moins à Descartes. Il y a en effet chez Descartes une sorte de sublimation du sujet qui l'amène à lui conférer une sorte de solitude ontologique dans laquelle l'individu n'a plus besoin d'une communauté pour exister. L'atomisme politique qui apparaît au XVIIe siècle, notamment dans les théories du contrat social de Grotius, Pufendorf, John Locke et d'autres, en est une des conséquences. Une autre raison pour laquelle la question de l'identité est nécessairement une question complexe et que l'identité individuelle ou collective ne peut se résumer à un aspect seulement de l'existence des individus ou des peuples. L'identité n'est jamais unidimensionnelle, mais multidimensionnelle. Notre identité associe des composantes héritées et des composantes choisies. Nous avons une identité nationale, une identité linguistique, une identité politique, une identité culturelle, une identité ethnique, une identité sexuelle, une identité professionnelle, sociale, etc. Ces différentes facettes définissent notre identité objective. Mais l'expérience montre que nous ne leur attribuons généralement pas la même valeur. Cela signifie que l'identité a aussi une dimension subjective. En général, nous nous définissons nous-mêmes en référence à l'aspect de notre identité qui nous paraît le plus important, le plus décisif, tandis que nous avons tendance à oublier les autres aspects. À nos yeux, notre identité est donc inséparable de ce qui importe le plus pour nous. Elle exprime la part de nous-mêmes que nous privilégions et sur laquelle nous nous appuyons pour nous construire. Quelle est la part de nous-mêmes qui nous définit le plus essentiellement à nos propres yeux? Voilà la question à laquelle nous répondons lorsque nous nous interrogeons sur notre identité. Pour désigner ce qui nous paraît être le plus important, le sociologue canadien Charles Taylor parle d'évaluation forte et de biens constitutifs. Les biens constitutifs se distinguent des biens matériels ou des biens qui répondent à un simple besoin
en ce qu'ils ne sont nullement assimilables à de simples préférences, mais sont fondateurs d'identité. Les évaluations fortes, elles, se caractérisent par le fait qu'elles ne sont pas négociables et ne peuvent se réduire à un simple désir. Elles ne sont pas relatives au bien-être, mais à l'être même des individus. Elles concernent ce qui donne une raison de vivre et de mourir, c'est-à-dire qu'elles portent sur des valeurs posées comme intrinsèquement bonnes. Ces remarques préliminaires étant faites, je voudrais évoquer les deux erreurs que l'on fait le plus couramment lorsque l'on parle d'identité. La première erreur consiste à penser au fond que notre identité ne dépend que de nous. En réalité, notre identité est aussi façonnée par les échanges que nous avons avec les autres, par le regard que nous portons sur eux et par le regard qu'ils portent sur nous. Un sujet isolé, un homme ou un groupe qui vit tout seul, coupé des autres hommes ou des autres groupes, n'a pratiquement pas d'identité. C'est un peu comme dans l'histoire de Robinson Crusoe, quand Robinson est sur son île, il est tout seul, il n'a pas d'identité parce qu'il est tout seul. Et dès l'instant où Vendredi arrive dans l'île, il en acquiert une. Pour le dire en d'autres termes, il n'y a pas d'identité seulement à partir de soi. Quelqu'un qui ne fait l'expérience de rien d'autre que de lui-même n'est rien. La pure et simple conscience de soi ne dote pas l'individu d'une identité. L'identité est certes ce qui donne un sens à l'existence, mais comme l'existence n'est jamais purement individuelle, la question de l'identité revêt obligatoirement une dimension sociale. Comme l'a écrit le philosophe François Flahaut, la vie en société constitue un bien en soi, un bien dans le cadre duquel les autres biens prennent leur sens et leur valeur. C'est ce qui permet d'ailleurs de comprendre que les droits individuels ne suffisent pas à fonder une société bonne. L'identité ne peut donc se penser indépendamment de la socialité. Or, le groupe assigne toujours à l'individu une part de son identité, ne serait-ce que par le biais de l'histoire, de la langue, de la culture ou des institutions. Cela signifie que l'identité ne se constitue pas à l'écart, à partir du sujet lui-même, mais à partir d'une relation à l'identité des autres. Toute identité en ce sens est donc de nature fondamentalement dialogique. Dire que toute identité est fondamentalement dialogique, cela veut dire aussi qu'autrui fait partie de mon individu, de mon identité, car il me permet aussi de m'appréhender moi-même et de m'accomplir. L'individualisme ne conçoit le rapport à autrui que sous un angle instrumental ou intéressé. Le lien social se réduisant alors au contrat juridique et à l'échange marchand. Dans une optique plus communautarienne, qui serait la mienne, le rapport social est au contraire constitutif de soi. Comme l'écrit encore Charles Taylor, autrui est aussi un élément de mon identité intérieure. Le groupe, tout comme l'individu, a besoin de se confronter à des autrui significatifs. La deuxième grande erreur consiste à définir l'identité comme ce qui en nous serait immuable et ne changerait jamais. Qu'il s'agisse de l'identité d'un homme ou d'un peuple, on conçoit alors l'identité comme une essence fondée sur des attributs invariables, intangibles. Or, l'identité n'est pas une essence ou une réalité statique, elle est une substance et une réalité dynamique. L'identité ne dit pas seulement la singularité ni la permanence de cette singularité. La continuité inclut aussi le changement,
tout comme la définition de soi implique le rapport à l'autre. Il n'y a donc pas d'identité sans transformation, l'important étant de ne pas poser ces deux termes comme contradictoires. L'identité n'est pas ce qui ne change jamais, mais au contraire ce qui nous permet de toujours changer sans jamais cesser d'être nous-mêmes. Pour le dire autrement, l'identité définit la façon de changer qui n'appartient qu'à nous. On peut prendre, dans le domaine physiologique, une comparaison avec les cellules qui composent un individu, chacun d'entre nous. Si l'on est arrivé à un certain âge, on sait bien que depuis notre naissance, la totalité des cellules qui composent notre être s'est renouvelée. Nous n'avons plus aucune des cellules que nous avions à la naissance. Et pourtant, nous sommes restés nous-mêmes, nous ne sommes pas devenus un autre. Donc, renouvellement et changement. Je dirais enfin que l'identité n'est pas seulement un objet à découvrir, mais aussi un objet à interpréter. La vie humaine, comme l'ont bien vu des philosophes comme Wilhelm Dilthey, Hans-Georg Gadamer ou Paul Ricoeur, est fondamentalement interprétative, c'est-à-dire qu'elle ne se borne pas à décrire des objets, mais s'emploie aussi à leur donner un sens. C'est une autre manière de dire qu'il n'y a pas de fait à l'état brut. Vous percevez un fait en l'interprétant, et c'est en l'interprétant que vous lui donnez une signification. L'identité n'échappe pas à cette règle. Elle est une définition de soi-même, en partie implicite, qu'un sujet élabore et redéfinit tout au long de sa vie. L'identité est donc aussi de nature fondamentalement narrative. Elle résulte d'une narration que nous nous faisons à nous-mêmes lorsque nous nous interrogeons sur ce que nous sommes. Alors, j'aborde maintenant l'autre aspect du problème qui est... L'identité implique la diversité, la multiplicité, pour les raisons que je viens d'indiquer. Au sein du même, au sein de la même-té, la question de l'identité ne se pose pas, puisque chacun est le même. Dans l'Antiquité, cette diversité allait de soi. On considérait que chaque peuple avait ses valeurs, ses rites et ses dieux, et l'on ne cherchait pas à hiérarchiser les différentes religions, à distinguer celles d'entre elles qui étaient la vraie et celles qui étaient fausses. Historiquement parlant, c'est avec le monothéisme que naît la négation potentielle de cette diversité constitutive de l'espèce humaine. La notion de Dieu unique, en même temps qu'elle rejette dans l'erreur ou le mensonge toutes les autres croyances religieuses, ne se conçoit que pour autant que les hommes appartiennent tous à la même famille. Un Dieu unique est nécessairement le Dieu de tous les hommes, ce qui donne à penser que ce qui les distingue est moins important que ce qui leur est commun, ce qui leur permet d'adorer le même Dieu. C'est dans ce sens que saint Paul, dans un passage bien connu de l'Épître aux Galates, dit « Il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus d'hommes et de femmes, il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres, nous sommes tous un aux yeux de Jésus-Christ. » La différence est ainsi dévaluée. Elle n'est pas nécessairement niée, mais elle est rejetée du côté du superficiel, du contingent, parfois de l'insignifiant. Pour l'essentiel, tous les hommes sont perçus comme étant les mêmes. Pour l'essentiel, il relève de la même-té. C'est cette idée qui sera par la suite constamment développée par toutes les idéologies universalistes, puis sécularisée dans l'ordre profane avec l'émergence des grandes théories historicistes. Le rapport de l'universel au particulier change alors du même coup. Autrefois, on atteignait à l'universel à travers le particulier,
de même que l'on appartenait à l'espèce par la médiation d'une culture singulière. C'est en ce sens qu'on a pu dire que Cervantes est un auteur universel dans la mesure où il est à l'extrême espagnol. Goethe pour l'Allemagne, Dante pour l'Italie, etc. Désormais, au contraire, l'universel est posé en premier, et c'est à partir de lui que l'on prétend définir et comprendre le particulier. Dans la même perspective, les théologiens diront que l'essence précède l'existence, puis s'emploieront à déduire l'existence d'une chose de son essence, ou à trouver dans l'essence d'une chose les raisons de son existence. Alors qu'en réalité, la distinction de l'essence et de l'existence n'est qu'un simple principe de pensée, non un donné ontologique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace le plus les identités collectives auxquelles nous sommes attachés? À cette question, beaucoup répondront en se bornant à évoquer le phénomène de l'immigration massive dont la plupart des pays occidentaux sont le théâtre. L'importance de ce phénomène n'est en effet pas niable, pas plus que l'on peut nier les pathologies sociales qui en résultent habituellement. Cette façon de voir, cependant, passe, à mon avis, à côté de l'essentiel, car elle ne s'intéresse pas assez aux causes de l'immigration, et surtout parce que, par rapport à ce problème, elle ne prend pas assez de hauteur. Je dirais pour ma part que ce qui menace le plus les identités collectives, pour prendre une formule, c'est le système à tuer les peuples, c'est-à-dire l'imposition d'un système général d'homogénéisation planétaire qui tend à éradiquer partout la diversité humaine, la diversité des peuples, des ethnies, des langues et des cultures. Ce système est associé aux notions de gouvernance mondiale et de marché planétaire. L'idéal qui le sous-tend est l'effacement des frontières au profit d'un monde unifié par ce que j'ai appelé l'idéologie de la mêmeté, l'idéologie du même. Je ne suis donc pas de ceux qui pensent que notre identité est d'abord menacée par l'identité des autres, même si, bien entendu, une telle menace peut exister. Je crois que le danger le plus grand qui pèse aujourd'hui sur l'identité ne menace pas seulement notre identité, mais l'identité de tous les peuples. Le danger le plus grand, c'est la montée de l'indistinction, l'effacement des différences, la destruction des cultures populaires et des modes de vie différenciés dans un monde globalisé où les seules valeurs reconnues sont celles qui s'expriment par une quantité ou un prix, c'est-à-dire par l'argent. Pour moi, la grande question des années qui viennent est donc celle-ci. Allons-nous vers un monde unifié, unipolaire, où les différences disparaîtront peu à peu, ou vers un monde multipolaire, où les identités auront encore un sens? Poser cette question amène obligatoirement à s'interroger à nouveau frais sur le sens de la modernité et plus spécialement sur le sens de la philosophie des Lumières qui en a constitué le principal moteur au XVIIIe siècle. Pourquoi la philosophie des Lumières est-elle intrinsèquement inhospitalière aux identités collectives? Eh bien, parce qu'étant fondamentalement orientée vers l'avenir, elle diabolise les notions de tradition, de coutume, d'enracinement, n'y voyant que superstition dépassée et entrave à la triomphale marche en avant du progrès. Visant à l'unification du genre humain, la théorie du progrès implique que l'on répudie toute forme d'appartenance archaïque, c'est-à-dire antérieure, quand l'on détruit systématiquement le socle organique et symbolique des solidarités traditionnelles. C'est le principe même de la métaphysique progressiste, l'idée qu'une société libre et fraternelle ne pourra naître que de la ruine de toutes les formes particulières d'enracinement.
C'est aussi l'idéal d'une société censée se composer de sujets autosuffisants, sans aucune forme d'engagement ni d'attachement mutuel autre que volontaire, rationnel ou contractuel. La dynamique de la modernité arrache l'homme à ses liens naturels ou communautaires en faisant abstraction de son insertion dans une humanité particulière, car elle repose sur une conception atomiste de la société conçue comme une simple addition d'individus fondamentalement libres et rationnels, censés choisir librement les fins et les valeurs susceptibles de guider leurs actions. Et c'est en cela qu'elle contredit le maintien des identités. Curieusement, beaucoup de conservateurs américains, voilà les conservateurs américains, adhèrent à l'individualisme méthodologique. Ils croient que les individus sont plus importants que les communautés ou les collectivités. C'est la raison pour laquelle ils sont opposés à l'interventionnisme étatique, mais aussi à toute forme de régulation économique et financière, qu'ils assimilent en général au socialisme, entre guillemets. Cette façon de voir les empêche de comprendre que la désagrégation des identités collectives est directement liée à la montée de l'individualisme, mais aussi à la colonisation des imaginaires par les seules valeurs économiques et commerciales, à la généralisation de l'axiomatique de l'intérêt et de la logique du profit. Comme beaucoup d'Européens, je suis également stupéfait de constater que les conservateurs américains défendent presque unanimement un système capitaliste dont l'expansion détruit méthodiquement tout ce qu'ils veulent conserver. Malgré la crise structurelle que connaît depuis plusieurs années le système capitaliste, les conservateurs américains continuent à célébrer le capitalisme comme un système qui respecte et garantit la liberté individuelle, la propriété privée, la liberté des échanges. Ils croient aux vertus intrinsèques du marché, dont le mécanisme constituerait le paradigme de tous les rapports sociaux. Ils croient que le capitalisme a quelque chose à voir avec la démocratie et la liberté. Ils croient à la nécessité et à la possibilité d'une croissance économique perpétuelle. Ils pensent que la consommation fait partie du bonheur et que plus est toujours synonyme de mieux. Or, le capitalisme n'a rien de conservateur. Il est même tout le contraire. Karl Marx avait déjà observé que c'est à lui que l'on doit le démantèlement de la féodalité et l'éradication des cultures traditionnelles et des anciennes valeurs qu'il a noyées dans ce qu'il appelait les eaux glacées du calcul égoïste. Aujourd'hui, le système capitaliste reste plus que jamais orienté vers la suraccumulation du capital. Il lui faut toujours plus d'échanges, toujours plus de marchés, toujours plus de profits. Or, un tel objectif ne peut être atteint qu'au prix du démantèlement de tout ce qui lui fait obstacle, à commencer par les identités collectives. Une économie de marché intégrale ne peut en effet fonctionner durablement que si la plupart des individus ont intériorisé une culture de la mode, de la consommation et de la croissance illimitée. Du point de vue anthropologique, écrivait Pasolini, la révolution capitaliste exige des hommes dépourvus de liens avec le passé. Le capitalisme ne peut en effet transformer la planète en un vaste marché, ce qui est son but, que si cette planète a été au préalable atomisée, si elle a renoncé à toute forme d'imaginaire symbolique incompatible avec la fièvre de la nouveauté, la logique du profit et l'accumulation sans limite. C'est la raison pour laquelle le capitalisme est aussi le système qui s'est révélé le plus efficace pour effacer les frontières. La raison en est que la logique économique met le profit au-dessus de tout. Adam Smith l'avait déjà dit lorsqu'il expliquait que le marchand n'a d'autre patrie que le territoire où il réalise ses plus gros bénéfices. Et c'est aussi pourquoi le capitalisme est le premier responsable de l'immigration. D'une part, le recours aux immigrés
permet de maintenir une pression à la baisse sur les salaires des travailleurs. D'autre part, le principe même du capitalisme, laisser faire, laisser passer, et la libre circulation des hommes, qui va nécessairement de pair avec la libre circulation des marchandises et des capitaux. C'est pourquoi le capital exige une mobilité croissante de la main-d'œuvre et des migrations continuelles à travers les frontières nationales, dans lesquelles il voit autant d'obstacles à l'augmentation des échanges, le marché mondial constituant, de ce point de vue, le cadre naturel de la citoyenneté mondiale. Les travailleurs immigrés, de ce point de vue, constituent l'armée de réserve du capital. La société de marché ne propose qu'une caricature de lien social, puisqu'elle définit comme seule véritable existence la séparation d'avec autrui. Parallèlement, elle réifie les rapports sociaux, c'est-à-dire qu'elle amène les rapports entre les hommes à se calquer sur la forme des relations aux choses et entre les choses. Cette réification est inséparable de la logique du capitalisme. Du point de vue du capital, les hommes ne sont que des choses, en l'occurrence des facteurs de production et de consommation, qui ne sont reliés entre eux que par l'échange de marchandises et la confrontation conflictuelle de leurs intérêts. Avec le capitalisme comme fait social total, pour employer l'expression du sociologue Marcel Mauss, tout objet se ramène à sa valeur commerciale, tout rentre dans l'ordre de la pure marchandise, celle-ci étant du même coup promue au rang de réalité ultime. Tout ce qui n'a pas d'équivalent, et plus particulièrement d'équivalent monétaire, se trouve dévalorisé d'autant. Or, les valeurs marchandes et commerciales, les valeurs utilitaires et intéressées, qui sont toujours ordonnées à la quantité, sont absolument opposées aux valeurs non mesurables, non calculables, qui sont en jeu dans l'existence des cultures et des peuples. C'est pour cela, et ce sera ma conclusion, que les identités seront toujours menacées aussi longtemps que l'on refusera de remettre en question l'ensemble des manières de vivre aliénées qui sont structurellement liées à l'imaginaire capitaliste d'une croissance et d'une consommation illimitées. Je vous remercie. Avant d'ouvrir le débat avec le public, j'aimerais quant à moi proposer un rapide retour en arrière historique. Et forcément, je vais faire écho à un certain nombre de choses qui ont été dites précédemment, mais sous un angle tout à fait différent. Les gens d'autrefois ne se posaient pas la question de l'identité dans les mêmes termes que nous, modernes. Et la folie identitaire à laquelle on assiste aujourd'hui n'aurait eu aucun sens il y a 2000 ans. À l'époque des Grecs et des Romains, les gens n'étaient sans doute pas plus gentils que nous ne le sommes, et ils étaient même parfois beaucoup plus cruels. Mais chez eux, il n'y avait rien d'équivalent au racisme nazi ou au terrorisme djihadiste. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur la différence entre la conception moderne de l'identité et sa conception traditionnelle. L'identité, telle que nous la concevons aujourd'hui, repose sur l'idéal d'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité ? C'est un idéal qui nous impose d'être fidèles à nous-mêmes et à notre manière d'être. Il y a encore 1000 ou 2000 ans, personne ne pensait que les différences entre les hommes avaient une grande signification morale. Mais un changement profond va naître, d'abord à la fin du Moyen-Âge, puis surtout à la fin du XVIIIe siècle, avec l'éclosion de la société industrielle marquée par l'individualisme. On a développé alors une conception plus ou moins nouvelle de l'identité, fondée sur l'originalité, qui aboutira au culte romantique du génie. Tout homme est génial lorsqu'il parvient à se démarquer des autres et à être unique, irremplaçable.
Selon le penseur allemand Johann Gottfried von Herder, chacun de nous a une manière originale d'être humain. Chaque individu a sa propre mesure. Il existe donc désormais une certaine façon d'être humain qui est ma façon. Je suis appelé à vivre ma vie de cette façon plutôt qu'à l'imitation de la vie de quelqu'un d'autre. Si je n'ai pas de fidélité envers moi-même, si je cède à la pression du conformisme extérieur, je manque l'essentiel de ma vie, je manque ce qu'être humain signifie pour moi. Ce culte de l'authenticité s'explique probablement par l'essor de la liberté à l'époque moderne. Je ne parle pas du tout ici de la liberté au plan politique. Les peuples de l'Antiquité ou du Moyen-Âge n'étaient pas toujours moins libres politiquement que nous ne le sommes. L'âge moderne se distingue en fait d'abord de l'âge traditionnel par la plus grande richesse qu'il offre à chaque individu dans ses choix de vie. C'est en cela que nous sommes indéniablement plus libres que les gens d'autrefois. Celui qui naissait dans une ferme reculée de l'Antiquité ou du Moyen-Âge n'avait pas vraiment d'autre alternative que de cultiver les terres environnantes et de participer à l'existence du clan. Hors de ce sentier balisé, il n'y avait guère d'horizon pour lui. Désormais, les possibilités qui s'offrent à nous sont incommensurables. Nous pouvons non seulement nous orienter vers des choix de carrière qui nous sont propres, mais nous pouvons, dans une assez large mesure, faire abstraction des contraintes de statut, de sexe ou d'âge qui pesaient au contraire très lourdement sur nos ancêtres. Cette absence relative de prédétermination extérieure nous oblige à nous poser des questions sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons être. Le problème de l'identité se pose de ce fait à nous d'une manière particulièrement intense. L'autre aspect fondamental de cette évolution réside dans l'omniprésence moderne de l'anonymat. Les gens d'autrefois évoluaient dans un cadre local où tout le monde se connaissait. On se posait donc d'autant moins de questions sur soi-même que l'identité de chacun paraissait évidente à tout le monde. Le regard des autres nous renvoyait sans cesse à ce que nous étions. La reconnaissance était une donnée spontanée de la nature. Dans les grandes métropoles actuelles, au contraire, il est rare d'être reconnu. Nous évoluons au milieu des autres comme des ombres parmi les ombres. Et notre besoin de reconnaissance n'est plus spontanément comblé par le regard d'autrui. Cet autrui n'est d'ailleurs le plus souvent lui-même qu'un inconnu à nos yeux. Les autres ne nous reconnaissent pas tout simplement parce que nous ne les connaissons pas non plus. La recherche d'une identité forte se fait alors impérieuse. Nous devons exacerber notre spécificité d'homme pour exister encore de manière notoire et notable, c'est-à-dire pour nous reconnaître et pour être éventuellement reconnus. Nous ne voulons plus être confondus avec personne afin d'échapper au règne de l'anonymat. La fascination qu'exerce l'univers de la télévision et des médias trouve là une de ses justifications les plus fortes. Andy Warhol disait, la formule est célèbre, que chaque homme au cours de sa vie connaîtrait, grâce à la télévision notamment, son quart d'heure de célébrité. Que n'aurait-il pas dit s'il avait connu l'Internet, s'il avait connu la télé-réalité ? Nous accordons beaucoup d'importance à cette notoriété télévisuelle parce qu'elle doit révéler qui nous sommes à la terre entière, sans quoi nous resterons pour toujours perdus dans l'immensité uniforme de la masse. Nous n'aurons plus d'identité. L'idéal d'authenticité a donné naissance à une approche moderne de l'individu, qui, pour être visible et identifié, doit désormais revêtir un caractère à la fois original et autonome. L'homme est devenu un individu parce qu'il ne veut être rien d'autre que lui-même. Comme nous vivons dans un monde anonyme, nous avons besoin d'une identité plus forte qu'auparavant pour nous imposer. Nous devons faire valoir cette identité jusqu'à la violence, parfois. Pour continuer d'exister, nous ne pouvons plus nous contenter de vivre au milieu des autres. Nous avons besoin de nous positionner
face à eux, en existant par nous-mêmes, d'une manière affirmée et revendicatrice. Telle est l'assise de ce qu'on appelle l'individualisme. Se distinguer des autres apparaît comme le seul moyen réaliste d'exister. Le communautarisme identitaire semble incarner à ce titre l'exact opposé d'un tel individualisme. Avec le communautarisme identitaire, l'individu se trouve nié dans son identité propre et se définit plutôt par la communauté, qui seule est alors jugée pleinement authentique. Mais précisément, cette communauté se définit toujours elle-même à notre époque, ou en tout cas très souvent, par l'authenticité, exactement comme au régime individualiste. La communauté est elle aussi censée revêtir un caractère original et autonome. Elle doit être tout à fait différente des autres communautés. Le penseur allemand Johann Gottfried von Herder, que j'ai déjà cité, en plus de souligner que tout homme possède une mesure qui lui est propre, applique d'ailleurs le même raisonnement aux cultures et aux peuples. Au même titre que tout individu, un folk, un peuple, doit être fidèle à lui-même. L'Allemagne n'a pas à vouloir être la France, et l'Orient n'a pas à singer l'Occident. L'authenticité est nécessaire à l'épanouissement d'une nation. On peut trouver étonnant d'ailleurs de combiner individualisme et communautarisme comme le propose Herder. L'individu et la communauté semblent en général s'exclure. Soit on est un individu, soit on vit dans un groupe. Mais ce processus de combinaison est à vrai dire normal si l'on y réfléchit. L'homme dispose d'une multitude de registres d'identification. Il peut être reconnu pour ce qu'il est à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective. Appartenir à un groupe clairement identifié est une autre façon d'être soi-même et de se faire reconnaître des autres. Plus vous aurez de mal à sortir de l'anonymat, plus vous voudrez exister comme individu, et plus vous voudrez aussi vous identifier à une communauté authentique qui vous représentera auprès du monde extérieur. C'est le même processus. Quoi qu'il en soit, le communautarisme identitaire et l'individualisme ne sont que les diverses incarnations d'un même processus culturel qui se décline à travers une vaste palette de modalités. Il peut s'agir d'un communautarisme religieux, il peut s'agir aussi d'un communautarisme national ou régional. Et en bout de course, il peut s'agir enfin d'une revendication purement individualiste. Mais on a toujours besoin, pour se définir, d'une identité authentique, dont le centre de gravité est déplacé, selon les cas, d'un niveau extrêmement large et collectif à un niveau extrêmement restreint et individuel. Le nationalisme n'est rien d'autre qu'un individualisme à l'échelle de la nation. Le point commun de tous ces registres identitaires, c'est qu'ils se définissent comme des bulles closes sur elles-mêmes. Ces registres identitaires refusent tout lien avec l'extérieur d'une manière qui peut être parfois agressive. Le moi et le nous se sentent menacés par l'autre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les individus cèdent aussi facilement à l'individualisme. Et c'est la raison pour laquelle les communautés cèdent aussi facilement au communautarisme. En excluant l'autre, le moi et le nous se donnent une chance de se distinguer. Ils ont besoin d'exclure les autres pour être eux-mêmes. Cela doit nous amener à nous interroger sur la situation actuelle et notamment celle de ces derniers mois. Nombre d'apprentis djihadistes, on le sait, ne sont à vrai dire que d'anciens délinquants des cités-ghettos du monde occidental. Ils ne viennent pas toujours des pays arabes, ils viennent même la plupart du temps de chez nous. Ce sont des paumés à la recherche d'un idéal. Plus que n'importe qui d'autre, ils ont vécu dans un monde sans repère, dans un monde anonyme où ils n'existaient pas. Bien souvent, rien ne les prédestinait à la religion. Leur vie dissolue était faite de débauche jusqu'à ce qu'ils trouvent Allah. Leur destin peut d'ailleurs faire penser, d'une certaine façon, à celui de George W. Bush. Lui aussi menait une vie dissolue, faite de sexe et d'alcool, jusqu'à ce qu'il trouve Dieu et devienne l'icône du néoconservatisme américain. La religion
jouent, pour tous ces gens, un rôle identitaire. Ils trouvent un sens à leur vie en s'identifiant à un groupe. Un groupe authentique, unique, qui se distingue de tous les autres. En l'occurrence, pour les djihadistes, il s'agit d'un groupe qui s'oppose à l'Occident. Là où certains gagnent leur quart d'heure de célébrité en passant à « qui veut gagner des millions », eux gagnent leur quart d'heure de célébrité en se faisant exploser en direct au journal de 20 heures. Le processus est exactement le même, bien que les effets en soient évidemment tout à fait différents. Mais je ne pense pas qu'on puisse sourire d'un côté et s'indigner de l'autre, car la mécanique de fond est à vrai dire la même. Tout le monde n'a pas la chance de passer à qui veut gagner des millions. Ceux qui, à tort ou à raison, se sentent exclus de la société, ceux qui ne passeront jamais sur TF1 dans des conditions normales, c'est-à-dire notamment les paumés des banlieues, ceux-là cherchent des moyens alternatifs d'exister aux yeux du monde. Le terrorisme est un de ces moyens. Nous devons bien comprendre que l'idéal d'authenticité dont je parle naît de l'extinction du modèle identitaire antérieur. Dans les sociétés anciennes, ce que nous appellerions de nos jours l'identité était largement déterminé par la position sociale de quelqu'un. Notre identité était en grande partie influencée par le rôle qui nous incombait du fait de notre lignage, de notre sexe, de notre âge, etc. On ne voulait pas alors être quelqu'un d'original. On désirait plutôt trouver sa place dans le monde et bien y exercer ses fonctions. On ne devenait pas quelqu'un en se retranchant du groupe pour mieux se distinguer, mais en participant à la vie commune, afin d'y être d'autant mieux reconnu par ses camarades. Nul n'aurait imaginé autrefois devoir se désolidariser du monde extérieur pour devenir lui-même et pour exister aux yeux de ses semblables. Si, avant l'ère moderne, les gens ne parlaient jamais d'identité, ce n'est donc pas en fait parce qu'ils n'en avaient aucune, mais plutôt parce que cette identité leur posait trop peu problème pour qu'ils songent à la conceptualiser. L'identité n'avait pas à se définir, puisqu'elle était un processus spontané, alimenté par le contact permanent avec les autres. À l'échelle collective, l'identité ne constituait pas davantage une préoccupation qu'à l'échelle individuelle. Il n'y avait pas besoin d'appartenir à une communauté originale et homogène pour se sentir impliqué dans un groupe. L'existence de groupe était spontanée. Elle s'enracinait dans les nécessités de la vie pratique qui imposait aux hommes vivant à proximité les uns des autres de s'entraider constamment. C'est sur ce sentiment d'interdépendance et de solidarité que s'appuyait d'abord le sentiment communautaire, bien plus que sur une identité authentique qui aurait distingué le groupe de tous les autres. On ne s'identifiait pas à un groupe parce qu'il était homogène, original et particulier, en d'autres termes parce qu'il était unique, mais plutôt parce qu'on y vivait en étroite connexion émotionnelle avec ses camarades. Alors certes, les communautés villageoises traditionnelles pouvaient faire émerger peu à peu une identité spécifique pour le groupe. Le village se distinguait alors des autres villages à travers des coutumes particulières, et les gens du passé s'enorgueillissaient même de ces différences. Mais ces différences dont on s'enorgueillissait ne venaient qu'après coup et par surcroît. Leur ciment, le terreau sur lequel cette fierté poussait, c'était précisément le sentiment d'appartenance commune du fait d'une participation commune à la vie collective. Le fait de s'interroger sur son identité n'est pas pour autant une mauvaise chose, évidemment. Bien au contraire. La recherche d'une identité originale est une nécessité à partir du moment où nous ne sommes pas déterminés par une structure sociale qui nous impose un rôle prédéfini. Avoir une identité, c'est être irremplaçable et savoir que si l'on disparaît, le monde aura perdu une part de sa richesse et de ses possibilités. Avoir une identité, c'est aussi habiter un certain lieu spécifique et bien délimité où nous pouvons établir des repères. Cette identité nous rassure et nous aide à nous orienter grâce à l'action bénéfique de l'habitude. Je sais ce que je suis moi-même, ou bien je sais ce qu'est le groupe auquel j'appartiens. Mais il y a une nuance de taille
entre la conception ancienne de l'identité et sa conception nouvelle. L'idéal d'authenticité ne jouait autrefois, comme je l'ai dit, qu'un rôle annexe dans la constitution de l'identité, alors qu'il joue aujourd'hui un rôle quasi exclusif. L'essor moderne de la liberté, éminemment louable en lui-même, ça va de soi, a engendré une forte incertitude identitaire, et la complexification de la vie sociale a imposé le règne de l'anonymat. De ce fait, l'identité adopte un caractère réactif, sous la forme d'une revendication véhémente, qui implique une séparation nette entre le sujet authentique et tout ce qui l'entoure. Nous éprouvons un besoin psychologique très fort d'être nous-mêmes, indépendamment des autres, parce que nous ne savons plus vraiment qui nous sommes, et parce que les autres sont souvent trop inexistants et trop flous à nos yeux pour combler notre besoin de reconnaissance. Une identité ouverte, comme autrefois, ne nous suffit plus. Nous voulons endosser une identité qui se suffise à elle-même et qui soit close sur elle-même. Cela nous conduit bien souvent, comme individus, à rejeter les autres individus et, comme groupe, à rejeter les autres groupes. C'est pourquoi il n'y a rien d'étonnant à ce que des terroristes islamistes, avant de se faire sauter au Bataclan au nom de l'islam, aient été quelques années plus tôt des gangsters de bas étage qui se comportaient d'une manière tout à fait individualiste. Je pense que le développement de l'individualisme contemporain, dans ce qu'il peut avoir d'excessif, va de pair avec le développement du communautarisme, dans ce qu'il peut avoir d'excessif. Au premier abord, l'individualisme et le communautarisme semblent s'exclure. Mais en réalité, ils se complètent, ils s'entretiennent mutuellement. C'est l'anonymat des grandes métropoles urbaines qui explique à la fois la société individualiste de consommation, l'existence du djihadisme communautariste, ou même, bien sûr, l'esprit de croisade du monde occidental contre le monde musulman. Les émissions de télé-réalité, Oussama Ben Laden et George W. Bush, sont tous des symptômes de la crise de l'identité qui touche le monde aujourd'hui. L'anonymat et le manque de lien avec les autres favorisent le développement des diverses maladies de l'identité qui vont du narcissisme individuel au fanatisme national ou religieux. Nous manquons au XXIe siècle de mesure et de modération. Contre les communautaristes, nous devrions défendre l'individu. Contre les individualistes, nous devrions défendre les communautés. Une identité saine, c'est une identité qui respecte à la fois l'individu et la communauté. Une identité saine n'a pas peur de se chercher des repères, des racines, des traditions. Mais elle n'a pas peur non plus des autres identités. Une identité saine n'est pas repliée sur elle-même. Elle est au contraire fédérale, c'est-à-dire qu'elle cherche à fédérer des alliances. Elle ne rejette pas, elle intègre. Il est certain que toutes les communautés modernes ne dégénèrent pas en communautarisme et que la plupart parviennent même à s'en prémunir la plupart du temps. Mais la modernité, en dépit de tout ce qu'elle apporte de positif à l'espèce humaine, comporte également un risque. Nous sommes libres et nous nous réjouissons à juste titre de cette liberté. Mais nous en oublions d'être solidaires les uns envers les autres. Nous en oublions d'être fidèles. À force de liberté, nous devenons nomades, nous perdons nos racines et nous négligeons ce qui nous rassemble ou ce qui pourrait nous rassembler. Cet anonymat nous rend littéralement malades. Malades parce que nous sommes en mal d'identité. Et c'est ce mal d'identité qui, par réaction, engendre l'identitarisme. Les doctrines raciales ont connu leur développement théorique le plus abouti à partir du XIXe siècle, c'est-à-dire avec l'essor du mode de vie libéral. Ce n'est pas une coïncidence malicieuse de l'histoire. Le fait que les camps de concentration nazis aient été une invention du XXe siècle non plus. On peut encore formuler le même constat au sujet du monde musulman. L'islamisme radical se développe au moment exact où la société musulmane s'ouvre aux idées libérales de l'Occident, au mode de vie urbain,
à l'anonymat des grandes villes, au nomadisme généralisé. L'islamisme radical est une réaction pathologique à un phénomène de modernisation. Les revendications identitaires les plus violentes et les plus tragiques, quoique particulièrement exceptionnelles et monstrueuses, s'inscrivent dans le cadre anthropologique normal de la modernité. Le monde moderne nous rend libres, mais en même temps, il nous plonge dans la solitude. Et nous avons du mal à vivre cet isolement. La modernité est à la fois un bienfait et un fardeau. Aucune vertu ne va sans un vice jumeau. Et le soleil éclaire en même temps qu'il produit l'ombre. Je vous remercie de votre attention. J'ai l'impression que certains de ceux qui sont venus ici pour entendre parler d'identité ne vont pas forcément ressortir en sachant beaucoup plus ce que c'est que l'identité. Mais ils auront au moins appris une chose, c'est que justement la question ne va pas tellement de soi et qu'il y a surtout bien des dimensions, des coups de projecteur qui permettent de cerner ce sujet. Je voulais rappeler à ce propos que nous avons publié il y a quelques mois un numéro de la revue Crisis qui est entièrement consacré à l'identité avec différentes interviews, contributions qui permettent de prolonger un débat qui par définition n'a pas de fin parce que finalement la question qui suis-je, qui sommes-nous, c'est une très très vieille question hein, qui remonte assez loin en arrière, qui a peut-être même toujours fait partie de la condition humaine, mais qui ne s'actualise avec l'intensité un peu convulsive qu'on lui connaît aujourd'hui, que fort heureusement plus rarement. Cela dit, dans le numéro de Crisis auquel Alain Benoît fait référence, vous ne trouverez pas davantage de réponses sur ce que c'est qu'identité. On continue de poser un peu plus la question. Non, mais de toute façon... Vous savez, c'est pas comme la pâte à crêpes. Hein. Il n'y a pas de recette en matière d'identité. Il n'y a pas une question, qu'est-ce que c'est que l'identité? Et puis, voilà, comme dans les questions pour un champion, crac, on donne une réponse. Hein. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça, justement, parce que l'identité est très multifactorielle. Hein. Elle a beaucoup de facettes. Hein. C'est ce que j'essayais de dire en disant nous avons une identité linguistique, nationale, sociale, sexuelle, professionnelle, culturelle, etc. Mais nous n'allons pas privilégier toutes ces facettes de la même manière. Vous pouvez avoir une identité professionnelle très forte, par exemple, parce que vous êtes un artisan menuisier qui fait un travail passionnant, et cette personne-là, quand on lui dit « Mais votre identité, c'est quoi ?» Il répond « Moi, je suis un menuisier. » Parce que c'est ce qui compte. Et par conséquent, il va se trouver plus proche de n'importe quel autre menuisier que de gens dont il serait rapproché par d'autres aspects de sa personnalité. Encore une fois, la personnalité, c'est quelque chose de très vaste, hein, de très très vaste. Et puis il y a les conflits qui ont été mis en scène je ne sais combien de fois. Si vous êtes dans un pays qui fait la guerre à un autre, et en même temps vous avez certaines idées, est-ce que vous êtes plus proche de votre compatriote aux côtés de qui vous vous battez, mais dont vous ne partagez pas des idées, que de celui que vous allez tuer, mais qui peut-être a les mêmes idées que vous? Qu'est-ce que vous allez privilégier, votre appartenance nationale ou votre appartenance idéologique, par exemple, ou philosophique, religieuse, que sais-je? Donc ce genre de problème se pose constamment. C'est la même chose avec l'identité sexuelle. Hein. Vous avez une identité sexuelle, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes hétérosexuel, vous êtes homosexuel, bisexuel, que sais-je. Bon, et en fonction de vos orientations, de vos préférences, vous allez peut-être vous sentir spontanément plus proche de celui qui partage vos goûts, vos orientations, vos préférences, alors que par ailleurs, d'autres choses pourraient vous rapprocher, mais ne vous rapprochons pas.
Encore une fois, beaucoup de choses dépendent de la manière dont on se perçoit. Bien entendu, lorsqu'on est engagé dans un combat immédiat, dans une situation d'urgence, on n'a pas tellement d'état d'âme en général, on se définit par rapport à ce qui est engagé dans ce combat. Ça, c'est tout à fait clair. Mais ça ne s'y résume pas. Bon, allez, on a assez parlé, et maintenant, c'est à vous. Oui. Donc l'identité, si on vous écoute, enfin, j'ai peut-être mal compris, serait une question purement individuelle, en fait. C'est une perception que l'on a sur sa propre identité, à un instant donné, en fonction d'un certain nombre de déterminants, et il n'y aurait pas d'identité collective, pas sous l'effet de l'individualisme. Et non. Je pense au contraire qu'il y a des identités collectives. D'ailleurs, j'en ai parlé, puisque j'ai dit qu'est-ce qui menace aujourd'hui le plus les identités collectives. Bon, il y a la question qui suis-je, la question qui sommes-nous. Il y a bien sûr un lien entre les deux. Ils ne sont pas exactement la même. Qui suis-je, énormément de gens parmi nous, peut-être ici aussi sans doute, un moment ou l'autre, on se pose des questions sur le sens de notre présence au monde, sur ce qu'on fait là, est-ce que le bilan de sa vie, ce qui nous définit le mieux, ce dans quoi on se reconnaît, enfin ce genre d'examen de conscience, si l'on peut dire, c'est tout à fait important, et c'est par rapport à cela que les multiples facettes de l'individualité sautent aux yeux. Dans le cas des identités collectives, l'erreur, qui serait une erreur libérale, doctrinalement, serait de croire que l'identité collective, c'est la simple addition des identités individuelles. La France, c'est pas seulement l'addition des Français. La France a aussi une personnalité en tant que telle, un peuple a une personnalité en tant que telle, une culture également. De même, une forêt n'est pas une addition d'arbres. Chaque arbre a ses particularités, mais la forêt en tant que telle a des prérogatives et des spécificités qui la qualifient comme telle. Donc, non, je crois bien sûr que les identités collectives existent, qu'elles sont très, très importantes. Simplement, quand on va tous militer pour la défense d'une identité collective, il faut bien savoir que nos motivations ne sont pas forcément les mêmes. La question qui se pose finalement n'est pas forcément de savoir si toutes les idées sont, si toutes les identités sont individuelles ou collectives. Au fond, bien sûr, il y a toujours la médiation d'un esprit individuel pour définir une identité. Mais la question est aussi de savoir si les identités sont objectives ou si on les envisage comme mouvantes et à géométrie variable. Si vous considérez qu'une identité est objective, par exemple, vous considérez que être musulman s'applique à tous les musulmans, être juif s'applique à tous les juifs, etc. Alors, vous envisagez votre identité comme un bloc immuable qui s'impose objectivement à tout le monde. Mais vous pouvez aussi considérer les identités comme quelque chose qui soit à géométrie variable, qui ne s'impose pas objectivement et universellement à tout le monde, mais au contraire comme quelque chose qui est donc vécu, repris et interprété d'une manière singulière par des personnes et par des groupes. C'est la conception fédérale de l'identité contre une conception qui serait universaliste, absolue et à prétention objective. Il y a toujours combinaison du subjectif et de l'objectif. Je veux dire, la France, ça existe objectivement. Les Français, ça existe objectivement. Mais vous pouvez être français, tout ce qu'il y a de plus français, de souche, comme on dit aujourd'hui, et que ça vous laisse totalement froid d'être français. Il y a des Français qui se foutent complètement d'être français, c'est pas important pour eux. Puis il y en a d'autres pour qui c'est au contraire très important, c'est ce qui les définit principalement. Donc vous avez toujours de l'objectif et du subjectif. C'est absolument inévitable, ça. Si jamais on considère un groupe quasi homogène, par exemple, une fraternité, une famille, des membres d'une même famille, des frères et des sœurs, là où l'identité, je dirais, a moins d'aspérité. Déjà là, à ce niveau, on voit quand même que le problème de l'identité d'un frère A par rapport à un frère B, pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le plan cellulaire, ils sont très très proches puisqu'ils sont des frères et sœurs, et ils ont quand même un problème d'identité. Bien sûr.
Bien sûr, mais le cas de la famille que vous donnez est un bon exemple. C'est d'abord un bon exemple parce que la famille est peut-être aujourd'hui le dernier lieu où s'exercent de manière un peu spontanée des systèmes de dons et de contre-dons, d'entraide cimentés par l'affectivité, bien sûr. C'est-à-dire où les comportements ne résultent pas strictement du contrat juridique ou de l'échange marchand. Et je pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'on a aujourd'hui une formidable offensive qui vise à dissoudre en quelque sorte les familles, à les effriter, à les décomposer, parce que c'est un des derniers éléments de résistance à ce qui est purement marchand. Mais à l'intérieur de la famille, bien sûr, vous avez des ressemblances et des ressemblances, tout le monde sait ça. L'hérédité existe, mais même quand on ressemble à son père ou à sa mère ou à son frère ou sa sœur, on n'en est pas non plus la copie conforme. Et même chez les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes, il y a parfois des petites différences épigénétiques qui font qu'ils ne sont pas totalement les mêmes. Vous avez aussi cette dialectique entre ce qui est de l'ordre de l'hérité et du choisi. Il y a des gens qui croient qu'on peut se passer de l'un ou de l'autre, ce qui est une erreur. Tout ne vient pas de ce qui est hérité, mais tout ne vient pas non plus de ce qui est choisi. Il y a les deux. Le choisi est très important d'ailleurs. Il ne faut pas du tout croire que le choisi est moins fort que ce qui est hérité. Quelqu'un qui se fait tuer pour ses idées, il meurt pour quelque chose qu'il a choisi, pas pour quelque chose dont il a hérité, bien souvent. Quelle relation introduiriez-vous entre l'identité et le caractère national, par exemple? Je vous pose la question parce que je crois que c'est dans la nuit de Platon que le caractère général d'une cité est un phénomène grossissant d'individus, du citoyen. Oui, vous savez, c'est assez intéressant, les discussions sur le caractère national. Ça a eu, en particulier à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu une foule de livres sur la psychologie nationale, le caractère national. C'était ce qui venait après la mise en place du nationalisme moderne. Et alors, il y avait la psychologie française, la psychologie allemande, la psychologie anglaise, etc. Bon, la mode de ce genre de travaux est un petit peu... est un peu passé aujourd'hui, mais tout n'était certainement pas à rejeter. En même temps, c'est vrai qu'on se retrouve devant les mêmes ambiguïtés. On retrouve dans l'histoire d'un pays, on retrouve certaines constantes, des choses qui permettent de dire oui, les Français sont plutôt comme ça, les Allemands sont plutôt comme ça, et les Latins sont encore de telle manière. Et puis en même temps, bien sûr, quand on va voir de très près, on tombe toujours sur des exceptions. Et puis il y a des transformations aussi, qui sont parfois des transformations rapides. Regardez l'Allemagne, la psychologie nationale allemande entre 1870 et 1918, pour ne pas aller plus loin, et puis la psychologie nationale allemande depuis 30 ans. Il y a un siècle, on aurait dit, les Allemands, c'est pas compliqué, ils veulent tout le temps faire la guerre, c'est des militaristes. Bon, aujourd'hui, même quand tout le monde veut la faire, c'est les seuls qui ne veulent pas. Et alors on disait avant, ils veulent envahir le monde entier, et aujourd'hui, ils n'ont rien trouvé de mieux que de s'envahir eux-mêmes. Avec l'affaire des migrants, là. Bon. Donc, il est très clair que... on est toujours sur une espèce de voie moyenne, un peu périlleuse, et qui tient à la complexité de l'identité. C'est pour ça qu'en commençant tout à l'heure, j'ai cité Saint-Augustin qui disait « Si on ne me demande pas ce que c'est que le temps, je sais très bien ce que c'est que le temps, quoi, c'est clair. Mais si on me dit « Mais qu'est-ce que c'est au fait le temps ?» Ouh, là, voilà, les problèmes commencent. Il y a aussi quelque chose qu'il faut appréhender, c'est qu'il y a deux aspects dans le problème de la nation, deux manières de l'aborder. D'abord, il y a la question de la singularité, c'est celle à laquelle Benoît a essentiellement répondu. Quels sont les caractères singuliers d'une nation? Cette question, elle peut se poser pour n'importe quel peuple, y compris pour un peuple qui n'est pas national.
Par exemple, à l'époque de la Renaissance, notamment en Italie, le système n'était pas encore un système d'État-nation, on avait des cités-États, de petites communes, et à la Renaissance, on a vu fleurir toute une littérature qui vantait les mérites de chaque petit patelin au nom de son caractère régional. Donc, mettre en avant la singularité d'une commune, d'une région, d'une nation, ça c'est un aspect. C'est un aspect identitaire en quelque sorte. Mais il y a un autre problème qui est posé par la question de la nation, c'est la question de l'État-nation. C'est-à-dire le moment où la nation, s'instituant comme État souverain, en vient à araser toutes les formes d'identité qui sont internes à cette nation pour les faire disparaître au nom de l'idée que seule l'identité nationale aurait un sens. Or, précisément, pour en revenir à l'exemple des auteurs renaissants dont je parle, où le mode de pensée politique était encore fondamentalement fédéral et fédéraliste, on avait l'idée que toutes les singularités ne s'excluaient pas les unes les autres, mais s'intégraient dans une harmonie fédérale qui pouvait les concilier. Le modèle de l'État-nation tel qu'il s'est développé au cours des 5 derniers siècles était précisément un modèle qui prétendait combattre la diversité des singularités, des particularismes. C'est pour ça que je pense que la question nationale doit être abordée sous ces deux angles. D'abord l'aspect de la singularité nationale, mais aussi le problème de la nation comme État, qui alors peut devenir un mode d'action contre les singularités intermédiaires. Mais là, évidemment, c'est le dernier rempart contre le mondialisme que vous décriviez. Ben on pourrait dire que les identités locales pourraient aussi constituer des remparts. Le problème, c'est que l'État-nation, tel qu'il s'est imposé depuis quelques siècles, a beaucoup contribué à anéantir ces identités locales, de sorte qu'en effet, il peut apparaître aujourd'hui comme le dernier rempart. Il a fait table rase. Non, mais je comprends l'intervention qui vient d'être faite. Simplement, là aussi, c'est très complexe, parce que l'État-nation, historiquement, est une forme politique qui a éradiqué la diversité locale et donc éradiquer la diversité, mais qui a proposé en même temps une identité de substitution, qui était l'identité nationale. Lorsque les révolutionnaires français, à la bataille de Valmy, s'élancent en criant « Vive la nation hein, !», c'est un cri totalement nouveau. Avant, on disait « Vive le roi !», etc. Bon, le référent va changer. Mais la mentalité, elle, ne va pas forcément changer. Alors aujourd'hui, est-ce que les États-nations ou les nations tout court sont le seul barrage contre le mondialisme? Je dirais oui et non. Le vrai barrage contre le mondialisme, je serais tenté de dire que c'est déjà dans la tête et dans les esprits. C'est-à-dire que c'est tout le monde refuse le mondialisme, ça va compliquer la tâche. Il y a des choses qui retardent, il y a des barrières, mais le problème, c'est que le mondialisme risque de faire en grand ce que bien des États-nations ont fait auparavant en petit. Alors, les États, c'est pas pour autant qu'il faut vouloir les supprimer. Moi, je ne crois pas à la disparition des nations. Je crois simplement que les nations, c'est un élément normal. Et il y a d'autres niveaux. Hein. Il faut plutôt voir ça comme des poupées gigognes plutôt que exclusifs l'un de l'autre. Voilà. Intrinsèquement, d'ailleurs, la communauté européenne, si elle en faisait le choix, pourrait certainement poser des barrières en termes de résistance à la mondialisation qui seraient théoriquement plus puissantes, plus larges, plus étendues que celles d'États-nations fragmentées. Et puis surtout, je crois que quand on parle de mondialisme, là aussi c'est un peu un mot slogan, il faut bien voir ce que l'on entend par là. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, le mondialisme? Ça veut dire que l'on veut rendre la planète de plus en plus unifiée, soumise à une autorité, une gouvernance mondiale, et que les différences soient tenues de plus en plus comme négligeables. N'est-ce pas ? C'est une espèce d'immense coagulation planétaire, ce que la finance de marché, d'ailleurs, réalise actuellement très bien. Hein. Mais dans l'histoire, cette pulsion qui ressortit pour moi de ce que j'ai appelé l'idéologie du même, cette pulsion, elle s'est donnée à lire dans bien d'autres formes d'universalisme qui n'étaient pas simplement en mesure technologiquement d'arraisonner, d'appréhender globalement la planète comme nous le voyons aujourd'hui. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure des néoconservateurs.
eux-mêmes, est-ce qu'ils connaissent, dans quelle mesure connaissent-ils l'État-nation? Je ne les connais pas personnellement, mais enfin, j'imagine que leur patriotisme ressemble à une association de trusts à vocation mondiale. On peut dire ça. Autrement dit, une société civile. Le problème, c'est que les États-Unis représentent une société plus qu'un pays. Et un modèle de société terriblement efficace et contagieux. Et être américain n'a pas du tout le même sens que être français, néerlandais, italien ou espagnol, parce que ça ne renvoie pas aux mêmes notions. Mais je dirais que ça, c'est un autre sujet, si vous voulez. C'est une société civile. C'est une société civile et qui croit à la supériorité du privé sur le public. Surtout. Donc, c'est toujours l'idéal classique du petit gouvernement qui intervient le moins possible et qui ne sert que de gendarme ou de veilleur de nuit, qui organise au mieux la régulation des échanges, mais qui n'interfère surtout pas pour ne pas gêner le rôle de la main invisible, avatar de la Providence. Mais ça, c'est les fondements de l'anthropologie du capitalisme libéral. Oui, je voulais revenir sur ce que on appelle l'idéologie du même. Thibault Exagel a dit qu'il faut savoir défendre l'individu contre les communautaristes et les communautés contre les individualistes. C'est précisément, me semble-t-il, la voie qu'a tracée ce qu'on appelle le monolithe, cette idée qu'il y a effectivement hégémonique, qui implique nécessairement l'idée d'une famille humaine unique, et non pas forcément celle d'une humanité qui devrait être uniformisée. L'unité est bien le contraire de l'uniformité. L'unité, c'est ce qui embrasse les différences dans un tout harmonique. Alors que l'uniformité, c'est de considérer les individus comme des unités, des entités égales entre elles et qui seraient dépourvues d'essence propre. Alors, d'abord, il y a autant de christianisme, c'est Paul Valéry qui disait ça, et qu'il y a de chrétiens sur Terre. Et c'est vrai, vous pourrez toujours, quelle que soit la religion d'ailleurs, trouver un chrétien, un musulman, un juif qui défendra une idée et qui en contredira une autre. Cela étant dit, quand même historiquement dans le christianisme, il y a une spécificité historique qui est de mettre en avant la dimension universelle de Dieu et en même temps de dire que le rapport à Dieu s'effectue directement par l'intermédiaire de l'individu. Donc, c'est le fort intérieur, c'est ce que vous pensez au plus profond d'entre vous, qui détermine que vous, le fait d'être croyant. D'ailleurs, pour croire, on ne peut pas croire à plusieurs. Je crois moi parce que j'ai été touché par une grâce qui peut-être fait que je crois qu'il existe un Dieu. Donc, il y a d'un côté l'individu, de l'autre, il y a l'universel. Donc, quand même, constitutivement, d'un point de vue philosophique et théologique, il y a dans le christianisme quelque chose qui sépare l'individu de ses communautés, précisément parce que l'individu doit se retrancher de la communauté pour méditer sur lui-même, revenir sur lui-même, entrer en lui-même pour communiquer avec Dieu. Alors que dans les religions païennes, au contraire, ce sont des religions qui étaient fondées sur la communauté, sur le fait que l'interaction avec la communauté, l'interaction avec le milieu naturel, conditionnait l'attitude religieuse d'adoration du divin. Il y a de très belles pages de Jean-Jacques Rousseau sur cette question. Il montre bien que, avec le christianisme, s'annonce déjà la distinction du privé et du public, et surtout de l'individu et du citoyen. L'individu et le citoyen, ça fait deux. Alors que dans la cité grecque, ça ne fait qu'un. Là, l'individu, il peut croire indépendamment de son appartenance. Alors dans une cité chrétienne, alors là, il n'y a plus de problème, mais il y a quand même une dissociation. Il y a quand même une dissociation des deux, et c'est d'où l'importance du fort intérieur chez saint Augustin, qui est aussi une des racines lointaines de l'individualisme moderne, ça c'est clair. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, ce qui veut dire qu'il y a d'un côté les lois de la cité, de l'autre
les lois divines, mais en séparant ces deux lois, on crée aussi la possibilité de s'opposer aux lois de la cité au nom des lois de Dieu. Ça crée une césure qui est très forte l'individu, sa religion d'un côté, et le milieu dans lequel il évolue de l'autre. C'est aussi le thème de la double naissance. Vous naissez biologiquement dans tel peuple, dans telle cité, mais la vraie naissance, c'est la naissance spirituelle du baptême qui vous fait rentrer dans un autre peuple qui est le peuple de Dieu. Catholique, ça veut dire universel. Mais bon, il y a eu une foule de travaux là-dessus. Je vous renverrai à ceux qui sont peut-être les plus simples et les plus, mais en même temps les plus fins, les travaux de Louis Dumont, dans ses travaux sur l'individualisme en particulier, sur la généalogie de l'individualisme et aussi de l'égalitarisme avec son livre Homo Equalis. Mais bon, on ne va pas faire des références bibliographiques. Nous avons peu parlé de la construction des identités. Est-ce que vous croyez à la possibilité de construire une identité européenne ? Est-ce que j'y crois théoriquement ou pratiquement ? Théoriquement, oui, j'y crois. Oui. Disons pratiquement, apparemment, c'est pas pour tout de suite. Il faut voir les choses avec un certain réalisme. Moi, j'ai toujours été très européen. Je souhaitais que l'Europe devienne un grand creuset de culture et de civilisation, plus politiquement unifié qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en même temps, je trouve que la construction européenne telle qu'elle s'est déroulée est absolument épouvantable et contestable. Donc, on peut, en chambre, toujours dessiner une Europe idéale. En tout cas, je peux vous dire, oui, elle me paraît souhaitable. Voilà. Mais l'esprit un peu réaliste amène à voir qu'il faudrait d'abord que l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement, s'écroule complètement pour qu'on puisse éventuellement repartir sur d'autres bases. Sans compter aussi un autre problème, je trouve, et je reviens à mon dada du fédéralisme, mais c'est que plus la construction européenne avance au plan politique, et elle n'avance pas beaucoup et pas très vite, et plus elle tend à s'ériger elle-même comme un État-nation supérieur. C'est-à-dire que finalement, elle détruit les souverainetés nationales qui correspondent à ce qu'étaient les régions dans le temps, en s'érigeant elle-même en État-nation, mais à l'échelle de l'Europe, de sorte qu'elle ne fait qu'aggraver le problème des États-nations, au lieu de le contribuer à le régler en fédéralisant le système européen. Donc non seulement la construction politique européenne avance peu, mais quand elle avance mal. Alors ça, je crois que c'est un point très important. C'est un point très important qu'il faut souligner, c'est-à-dire que les souverainetés que les institutions européennes enlèvent aux nations actuelles sont des souverainetés qui disparaissent dans un trou noir. C'est-à-dire que ce ne sont pas des souverainetés qui seraient reportées à un niveau supérieur où elles prendraient encore plus d'importance. C'est l'inverse. Donc là, c'est là le problème. Si l'Europe devenait une formidable puissance au prix de la suppression de certaines souverainetés nationales, je ne serais pas contre, mais actuellement c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on enlève aux souverainetés nationales, on enlève aux nations les dernières souverainetés qu'il leur reste, militaires, budgétaires, financières, par le système de la dette, etc., etc., et on ne les reporte nulle part. Donc ça part dans un trou noir, ce qui fait que l'Europe n'est plus qu'une addition de faiblesses. Ça, c'est le premier point. Le second point qu'il faut rappeler, quand même, parce que comme les gens répètent ce qu'ils entendent, tout le monde parle d'Europe fédérale, l'Europe fédérale, etc. Il n'y a pas d'Europe fédérale, il y a une Europe qui est totalement jacobine. Une Europe fédérale, c'est une Europe qui cherche à faire prendre les décisions le plus possible, au niveau le plus bas possible. C'est-à-dire qu'elle cherche à donner aux gens la possibilité de décider par eux-mêmes de ce qui les concerne et à ne faire remonter à un niveau supérieur que ce qui intéresse un ensemble plus vaste ou qui ne peut pas être accompli à l'échelon subalterne. C'est ce qu'on appelle le principe de compétence suffisante, si vous voulez, ou principe de subsidiarité, etc. Or, l'Europe actuelle, c'est exactement l'inverse. Tout part d'une cellule jacobine qui est à Bruxelles et qui décide, avec ses différentes
institutions subordonnées, de faire fonctionner tout le monde dans le même sens, sans considération des réalités nationales, régionales, culturelles et autres, ce qui est de surcroît totalement antidémocratique, puisque les gens qui peuplent cette Commission européenne n'ont aucune légitimité démocratique, n'est-ce pas ? Donc, ils vont décider du diamètre des pizzas, de la légitimité des courses de taureaux, et encore, ça, la longueur des frites qu'on distribuera au carnaval de Dunkerque. Mais bon, ça, c'est une image, une boutade. Mais on voit bien que c'est comme cela que ça se passe, c'est-à-dire que les parlements nationaux n'ont plus qu'à ratifier des choses qui sont prises à un échelon qui les dépasse. Donc c'est pas du tout un système fédéral, contrairement à ce qu'on entend dire très souvent, c'est au contraire un modèle parfaitement jacobin. Voilà. Bon, on va prendre une dernière question, peut-être. Je vais vous poser la question suivante, c'est est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence entre nationalité et citoyenneté ? Vous parlez dans le manifeste de Grèce, le sens des états. Oui. Eh bien, nationalité et citoyenneté sont aujourd'hui, dans la plupart des pays, un peu synonymes. C'est le cas notamment en France, du fait de son héritage jacobin. Avoir la nation française, avoir la nationalité française, c'est être citoyen français. Mais beaucoup de systèmes politiques dans le passé distinguent nettement la nationalité et la citoyenneté. C'est le cas en particulier de certains systèmes fédéraux ou de type impérial, c'est-à-dire que, prenez par exemple l'Empire des Habsbourg, d'Autriche-Hongrie, où vous aviez une nationalité bourgeoise, une citoyenneté, impériale, et en même temps des nationalités qui renvoyaient à des différences culturelles. Si on veut chercher un équivalent, on pourrait dire que dans une Europe un peu idéale, on pourrait être, citoyen français de nationalité bretonne, ou corse, ou flamande, qui sait. La citoyenneté, ça a des choses supérieures par rapport à la nationalité. Oui, c'est pas la même. La nationalité, dans ces cas-là, renvoie beaucoup plus à son étymologie de nation-naissance, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à un héritage particulier, ethnique, culturel, régional. C'est le vieux sens du mot nationalité, d'ailleurs, même en France, nationalité corse. La citoyenneté, là, c'est un concept qui est plus abstrait, mais très important, qui est un concept purement politique, lui. Tandis que dans nationalité, il y a plutôt de l'ethnoculturel que du politique. Donc, dans un ensemble impérial, dans une Europe impériale, vous pourriez parfaitement être citoyen européen de nationalité française. Voilà, les deux concepts ne sont pas synonymes, mais par la force des choses, ils le sont devenus dans certains pays. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à tous. Merci. Et puis nous nous retrouverons au mois de septembre. Vous abonner à Crisis et à Éléments. Il y a des bons d'abonnement qui sont proposés là. Et puis nous sommes encore à votre disposition pour les dédicaces. Et même si vous ne voulez pas vous abonner, vous pouvez laisser vos coordonnées pour être tenu au courant et recevoir des informations.